Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons à une émission toute particulière consacrée à... Consacrée à l'eau. Bonjour Lydie. Bonjour Henri. Il y a quelques semaines, nous avons parlé d'une source d'eau qui a permis l'établissement de la ville de Jérusalem. En coulisses, tu m'as également signalé que tu aimais particulièrement les antiques adductions d'eau. Voudrais-tu bien partager ces raisons avec nous ? C'est vrai que tout ce qui a à faire avec l'eau m'a intéressé depuis longtemps. La première raison, probablement parce que mon papa était plombier toute sa vie et je l'accompagnais dans les maisons où il devait placer des conduites d'eau ou parfois dans des bâtiments neufs, hein, il faisait les conduites d'eau. Et je me rappelle toujours ce moment magique où on ouvrait la vanne principale sur la rue et que l'eau entrait dans la maison et que l'eau sortait pour la première fois des robinets. Donc probablement, il y a là une raison. Mais la deuxième raison, c'est que dans la Bible, on parle beaucoup d'eau, de mer, de fleuves, de puits, de sources. Et comme je lis la Bible depuis longtemps, cela m'a intéressé. Tu te rappelles peut-être quelques épisodes bibliques avec de l'eau ? Alors, je penserai à la mer Rouge, avec les Hébreux qui ont traversé la mer. Absolument. C'est un passage magnifique. Absolument. Il y a également le baptême de l'eunuque par Philippe. Un récit dans le livre des Actes, exact. Et l'eau changée en vin par Jésus lors des célèbres noces de Cana. Ah oui, absolument. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de récits bibliques. Je pense au déluge, par exemple, Oui. Où la Bible qui commence en disant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout à fait. Mais c'est vraiment un fil rouge dans toute la Bible. Alors ça, c'est certainement un élément qui m'a intéressé. Troisième élément de mon intérêt remonte, je pense, à 1980, lorsque dans une revue sur l'archéologie biblique, une revue américaine, la Biblical Archaeology Review, il y avait un article sur deux ou trois systèmes d'adduction d'eau que les archéologues avaient découverts en Israël. Et vraiment, ça m'a tellement intéressé à ce moment-là que lors de mes voyages ultérieurs, j'ai pris des images, j'ai été à ces endroits pour voir comment c'était et comment des ingénieurs, comment des êtres humains, bien longtemps avant nous, avaient développé des systèmes pour apporter l'eau dans leur village ou vers leur maison ou là où ils habitaient. Alors, dans nos pays occidentaux, l'eau est partout, que ce soit pour faire notre vaisselle, remplir une piscine ou simplement prendre un bain. Malheureusement, pour plus de deux tiers de la population, c'est quelque chose qui n'est pas courant. L'eau potable est en passe de devenir également le prochain enjeu mondial après la crise du pétrole. On peut s'imaginer alors qu'il y a 3000 ou 4000 ans, c'était quelque chose de très difficile de pouvoir s'approvisionner en eau. Déjà aujourd'hui, comme tu viens de le dire, s'approvisionner en eau est difficile pour une immense majorité des habitants de la Terre, et ce l'était forcément aussi il y a 3 ou 4000 ans. L'eau de tout temps, et aujourd'hui encore, c'est synonyme de vie. Quand on n'a pas l'eau, on meurt de soif. Et il n'est pas étonnant que dans les civilisations anciennes, comme dans la Bible, on va trouver beaucoup d'allusions à l'eau. Les oasis dans les déserts vont jouer un rôle de vie. S'il n'y avait pas les oasis, s'il n'y avait pas quelques rares sources d'eau, ben on ne pouvait pas y vivre. Mais revenons à l'archéologie, car elle a permis de montrer que déjà dès les années 6000-7000 avant Jésus-Christ, des êtres humains ont creusé des puits pour atteindre des nappes phréatiques et ainsi pouvoir puiser de l'eau. À partir des années 3000, on sait, de par les découvertes archéologiques, que des êtres humains ont bâti des citernes, soit des citernes individuelles pour des personnes qui habitaient quelque part tout seuls, soit des citernes pour collectivités. Et forcément, les sources d'eau, ça, elles existaient toujours, mais parfois les gens n'habitaient pas directement près de la source, parfois ils habitaient beaucoup plus loin. Alors, soit il faut aller chercher l'eau à la source, soit il faut développer un système de conduit qui amène l'eau jusqu'à l'endroit où on habite. On en a naturellement des exemples extrêmement sophistiqués à l'époque romaine. Il n'y a qu'à penser aux fameux aqueducs que l'on voit partout dans les pays méditerranéens. Donc, l'eau est de tout temps et toujours encore aujourd'hui
synonyme de vie. Alors, tu nous mets littéralement l'eau à la bouche. Quels endroits allons-nous visiter dans le cadre des découvertes archéologiques en rapport avec les adductions d'eau? Nous avons choisi 4 endroits. Ces 4 endroits, c'est les antiques villes de Megiddo, de Beersheba, de Hatzor et de Gabaon. On est là dans des systèmes d'adduction d'eau qui remontent au 8e, 9e, 10e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est loin. Et le génie qui a été manifesté pour trouver ces systèmes est exceptionnel. Ces 4 endroits sont explicitement mentionnés dans la Bible. Par exemple, comme dans un texte biblique où il est dit que le roi Salomon fit bâtir la muraille de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et encore une autre ville qui s'appelle Gezer. Voilà donc une mention de ces villes. Revenons peut-être à Megiddo, l'archéologie, ce que l'on a découvert à Megiddo. Megiddo, tel Megiddo, situé sur la Via Maris, la principale route entre l'Égypte et la Mésopotamie, Megiddo avait une importance stratégique inégalée. L'endroit est occupé depuis les années 4800 avant Jésus-Christ jusque vers 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 4000 ans d'occupation, principalement avant l'arrivée des Hébreux en Palestine. Les fouilles ont débuté ici en 1903 et continuent d'ailleurs toujours. Les archéologues ont pu discerner au moins 20 strates ou couches d'occupation successives. En pratiquant une tranchée dans le tel c'est la colline, ils ont mis au jour cet autel cananéen de 8 mètres de diamètre et qui date des années 2400 avant Jésus-Christ, longtemps avant l'arrivée du peuple hébreu encore une fois. Dans les différentes couches, on a retrouvé nombre d'objets, comme ces bijoux ou ce sceau royal à inscription hébraïque. Dans les couches supérieures du tel, celles qui concernent les 200 ou 300 dernières années d'occupation, les archéologues ont dégagé les assises de l'ancienne structure d'entrée qui était faite en casemate, structure typique de l'époque de Salomon. Et pour Megiddo, cette structure était en angle droit sur le sens de la rampe d'accès. Ceci pour obliger une armée ennemie ou des chars à briser leur élan dans l'attaque. Cette maquette que l'on voit ici l'illustre bien. À l'intérieur de l'ancienne enceinte, on a découvert un silo à grains. Il a 12 mètres de diamètre et pouvait contenir jusqu'à 430 tonnes de céréales. Un peu plus loin, les bases de 4 bâtiments qui s'avérèrent être les écuries du roi biblique Akab. Cette ville ne pouvait exister que grâce à un important point d'eau. C'est ce que les archéologues découvrirent en dégageant une partie légèrement creuse sur le dessus du tel. Et ce qu'ils découvrirent était tout simplement génial. Les ingénieurs civils de Salomon et d'Akab, dans les années 900 et 800 avant Jésus-Christ, creusèrent apparemment d'abord un puits d'accès de plus de 30 mètres de profondeur. D'abord en traversant la partie meuble du tel, faite de plusieurs couches de débris d'occupation antérieure, et ensuite dans la partie rocheuse du tel. Les marches originelles sont encore visibles à côté d'un escalier moderne pour les visiteurs. Le puits continue ensuite en oblique à 45 degrés et se poursuit par un tunnel horizontal de plus de 60 mètres de long. Au bout du tunnel, on débouche dans une grande chambre voûtée, creusée dans la roche, là où jaillit une source, celle qui est à l'origine de l'implantation humaine à Megiddo. Henri, pourquoi cet ingénieux système pour accéder à la source? Parce que la source, qui est en même temps le point fort d'un établissement humain et qui permet que des personnes y vivent, est aussi le point faible de cet endroit. Car il suffit à une armée ennemie, une armée conquérante, de prendre le point d'eau pour que ceux qui sont à l'intérieur de la ville, très rapidement,
doivent se rendre parce qu'ils ont soif, et soit ils meurent de soif, soit ils se rendent. Et c'est la raison pour laquelle ont été développés, surtout au 11e, 10e, 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, ont été développés des systèmes pour sauvegarder l'accès à la source et ne pas que pour que cette source ne tombe pas dans les mains ennemies. C'est donc à quoi a servi ce système. On pouvait donc camoufler entièrement la partie extérieure de la source, et si l'ennemi n'avait pas un bon service d'espionnage, ben il ne savait pas où était cette source, et de l'intérieur on pouvait y accéder. Donc voilà pourquoi on a développé ces systèmes. Cette prouesse technique date donc de l'époque des rois bibliques tels que Salomon ou Akab, 10e et 9e siècle avant Jésus-Christ. Mais l'endroit commence déjà à être occupé avant. Oui, depuis les années 4800 avant Jésus-Christ. Mais comment ont-ils fait pour... Mais apparemment, à l'origine, il n'y avait pas tout ce système, c'est clair. Ce système n'existait pas. Donc les habitants de la ville devaient forcément sortir de l'enceinte fortifiée, pour autant qu'il y en avait une au départ, mais devaient sortir pour aller vers la source. Et ça, c'était et à la fois une corvée, et en même temps, c'était dangereux en cas de guerre ou en cas d'armée envahissante. Mais c'est bien le système que nous venons de voir en image qui est le plus sophistiqué. Mais on a retrouvé effectivement aussi à Megiddo un escalier qui permettait de sortir de la ville en ayant une petite protection pendant une centaine de mètres avant de devoir aller vers la source. Génial, effectivement, et belle illustration archéologique de l'importance de l'eau pour la vie. Alors Henri, il nous reste quelques minutes pour terminer avec des images de l'ancienne ville de Beersheba, dans le sud d'Israël, ville importante pour les patriarches et dans la période des rois d'Israël. Et comme toute ville, ancienne ou moderne, il y avait un important système d'approvisionnement en eau. Absolument. Beersheba, ce qui veut dire « puits du serment ». D'après la Bible, ce nom fut donné à la ville en souvenir du pacte conclu entre Abraham et Abimélec concernant justement un point d'eau. Les fouilles menées ici depuis 1969 ont dégagé ce puits, probablement ce puits. C'est un puits de 40 mètres de profondeur. On a dégagé ici les vestiges d'une entrée fortifiée, des entrepôts et d'autres constructions. Mais surtout, les archéologues ont dégagé un vaste système additionnel pour l'approvisionnement en eau de la ville grandissante. Les ressemblances avec Megiddo sont évidentes. Et ici aussi, une prouesse technique remarquable. Les fouilles continuent toujours à Beersheba, mais elles ont mis en évidence l'importance de l'eau. Car depuis toujours et partout, c'est de l'eau que dépend la vie. L'eau, c'est la vie. On retient donc cette phrase pour la semaine prochaine, puisque nous allons encore visiter Assor et Gabaon. Au revoir Henri. Au revoir chers téléspectateurs. Au revoir. Santé. Et bonne santé.